Bonjour les enfants, vous allez bien? Oui. Alors, est-ce que ça vous dirait de remonter à bord de la machine à remonter le temps de Mélopie? Oui. Eh ben alors, il faut appeler Mélopie. On appelle Mélopie. Mélopie! Viens vite, Mélopie! 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 Viens vite! Bonjour les enfants! On dit bonjour à Mélopie? Bonjour Mélopie. Bonjour Mélopie, ça va bien? Ah oui, oui, ça va bien. On va faire un super truc aujourd'hui. Tu vas voir, ça va te plaire à toi aussi. Ça va me plaire. Ben, qu'est-ce que tu nous as prévu, Mélopie? J'ai prévu d'aller à l'époque des chevaliers. Oh, super, l'époque des chevaliers. Alors, voyons voir derrière. Quand est-ce que ça pourrait être? À votre avis, c'est quelle époque? L'époque jaune. Oui, l'époque jaune, l'époque des chevaliers. Alors, Junon, tu vas nous mettre le curseur au bon endroit? On va remonter le temps jusqu'à l'époque jaune. Est-ce que vous savez... Très bien, va t'asseoir. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, cette époque? L'époque des chevaliers. Alors, oui, c'est l'époque des chevaliers. Ça s'appelle le Moyen-Âge. Moi, j'adore cette époque. Toi, t'aimes bien les chevaliers? Oui. Tu les aimes bien avec leur épée? Oui. Leur bouclier? Oui, j'aimerais bien être comme eux. Et est-ce que vous aimez bien aussi les princesses? Ouais. Avec leur couronne? Ouais. Oh, on va s'amuser, on va bien s'amuser. On y va? Oui. Alors, là, attention, on n'a pas fini, donc on va aller au Moyen-Âge. On a prévu quand est-ce qu'on va aller. Mais où est-ce qu'on va aller? Vous vous souvenez comment ça s'appelle ce continent? C'est l'Europe. Eh bien, on va retourner dans notre pays. Là, c'est quoi notre pays? C'est la France. Où est-ce qu'elle est la France? Tu te souviens? C'est facile, c'est le pays bleu. Le bleu. Oui, il est là, le pays bleu. Donc, hop, on va aller en France. La capitale de la France, qu'est-ce que c'est? Paris. Oui, on va aller à Paris. On va toujours à Paris. Oh! Ben oui, mais il y a plein de choses à voir à Paris, Mélopie. Oui, je sais. Alors, Paris, comment ça s'écrit? P. Oui, ça commence par un P. Alors, il est où le P? À côté du A. Il est là. P, 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 P. Ensuite, c'est quoi? A. A. On le met ici. Ensuite, qu'est-ce que c'est? R. Il est où? Il est là. Ensuite, I. Il est là. Et on finit par un S, S qu'on ne dit pas. Chut. Paris. Parce que si on dit le S, ça fait Paris. Oui. Alors, on va aller à l'époque du Moyen-Âge, à Paris, en France. Et vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait démarrer la machine? Faut chanter. Alors, on va chanter la chanson du Moyen-Âge. Alors, on va dire « Chevalier du Moyen-Âge, 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 j'aime faire la guerre, je ne suis pas quelqu'un de sage. » Vous êtes sage, vous? Oui. Vous êtes sage? Mais oui. Les chevaliers, ils sont pas sages, ils aiment bien faire la guerre. Ouais, mais c'est bien de faire la guerre, c'est rigolo, on s'amuse bien. Oui, mais quand c'est pour jouer, hein. Alors, vous êtes prêts? Mélopie, tu t'assois. Vous êtes prêts pour le décollage? Oui. Vous chantez fort avec nous, hein? Oui. Alors, c'est parti. Chevalier du Moyen-Âge, 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 j'aime faire la guerre, je ne suis pas quelqu'un de sage. Ça y est, on est arrivé? Oui, je suis sûre qu'on est à l'époque des chevaliers. Oh, là-bas, je vois un château. C'est bon, on est arrivé. Alors, voyons voir qui c'est qui est apparu dans la machine. Vous croyez que c'est un chevalier? Un chevalier du Moyen-Âge? Oui. Oh, regardez. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez vu qu'est-ce qu'il a sur la tête? C'est un casque de chevalier. T'es un chevalier? Oh, j'aimerais bien être un chevalier. Mais non, je suis vitrailliste. Vitrailliste? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que c'est, vitrailliste? C'est des vitraux. C'est le monsieur qui construit des vitraux. Oui, tout à fait.
je suis vitrailliste, mais je rêve d'être chevalier. C'est pour ça que j'ai un casque sur la tête. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Vous voyez ce qu'il a dans les mains? Une règle. Ce sont mes outils. Oh non, c'est pas une règle. Ça, c'est du plomb. Du plomb? Mais à quoi ça sert le plomb? Ça sert à assembler le vitrail. Et de l'autre côté, vous avez vu? Oh, c'est joli, c'est tout brillant. C'est des diamants? Non, c'est pas des diamants. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? C'est des rosaces. C'est du verre. Vous savez, comme quand vous buvez dans un verre. C'est du verre. Donc avec le plomb, on assemble des morceaux de verre. C'est bien ça, monsieur vitrailliste? Oui, c'est bien ça. Et vous êtes en train de faire quoi? Moi, je suis en train de faire les vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris. Presque les plus beaux du monde. Après, chacun a ses goûts. Mais ils sont magnifiques. Ils font des mètres et des mètres de haut. Oh, ça fait des grandes fenêtres, dis donc, entièrement en vitraux. Ça doit faire joli avec toutes ces couleurs. Moi aussi, j'aimerais bien faire du vitrail. Ben, on peut y aller. Toi aussi, tu veux faire du vitrail? Oui. Ah, et ben on va aller décorer vos fenêtres. Moi, j'ai du travail. Je repars chez moi. Alors, on dit au revoir à monsieur le vitrailliste. Au revoir, monsieur le vitrailliste. Au revoir, monsieur le vitrailliste. Hop là, on l'aide à redécoller? Oui. Alors, pour ça, on chante la chanson. Vous êtes prêts? Chevalier du Moyen-Âge, 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 j'aime faire la guerre, je ne suis pas quelqu'un de sage. Ça y est, il est parti. Alors, résumons. On a dit qu'on avait besoin de quoi pour faire des vitraux? On a besoin de... Du verre. T'es en train de boire? Oui, je bois dans un verre. Donc, on a besoin du verre. Et pour assembler les morceaux de verre entre eux, on a besoin de... Je sais plus comment ça s'appelle. Du plomb! On va le faire? Oui. Allez, c'est parti!